Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous vous portez bien dans votre coin de pays. Euh, alors aujourd'hui, ben écoutez, c'est presque mon premier épisode de, euh, de, de ma fameuse série de jeux que j'ai annoncé au début de l'année 2022. Je voulais faire des, des jeux anciens. C'est un petit peu ça mon concept de vous, de vous ressortir des jeux. Euh, qui sont peut-être dans ma ludothèque qui, sont, euh, qui ont un certain âge. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions à savoir à quel moment qu'on considère qu'un jeu est devenu un jeu ancien ou un jeu un vieux jeu comme on dit dans notre, dans notre jargon souvent. Et euh, c'est très personnel à chacun. Hein. Moi, je, je vous dirais que c'est quand j'ai le jeu depuis au moins, au moins deux ans, je vous dirais. Peut-être qu'il qu est considéré comme étant un jeu ancien. Euh, Peut-être que votre, votre vision pourrait changer. Mais oui, j'ai euh, sorti le jeu Vindication de la compagnie Orange Nebula. Est-ce que j'ai une bonne raison de sortir Vindication? Mais je pense que oui, j'en ai une excellente raison parce que euh, ben, si vous l'écoutez évidemment au moment où euh, ça se passe, euh, et au moment où je mets cette vidéo en ligne, ben, vous savez probablement que la compagnie Lucky Duck Games vont, euh, euh, vont faire une campagne de sociofinancement pour sortir une version française de ce jeu-là. Et ça, c'est... Il y a deux bonnes nouvelles dans tout ça. Un, une version française de, de Vindication. Ça, c'est une excellente nouvelle en partant parce que ce jeu-là, il y a un petit quelque chose assez unique qui est bizarre à expliquer puis que je vais probablement essayer de vous le présenter en juin aujourd'hui. Euh, fait que ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça, ça veut peut-être juste dire que Lucky Dog Games ont une genre de petite entente avec euh, Orange Nebula puis qui vont finir par sortir Unsettled en français. Qui se sera sans... Ça serait encore plus une bonne nouvelle. Bon, bref. Alors. Ce qui est un peu drôle, c'est que aujourd'hui, c'est la suite de ma vidéo que j'ai faite il y a deux ans. Au moment où j'ai reçu Vindication, j'avais fait une présentation de la partie solo de l'aventure 1. Parce qu'il y a deux euh, façons de jouer en solo à Vindication. Et à la fin de la vidéo, je vous avais dit, dans quelques semaines, je vais vous présenter la deuxième aventure. Et ça fait deux ans. Voilà, c'était la présentation. Du jeu Vindication, mais en version solo pour l'aventure numéro 1. Alors, je vous invite à revenir. Je ferai pas nécessairement la vidéo tout de suite. Euh, je vais la faire dans peut-être quelques semaines, mais je vais vous présenter euh, la deuxième partie de, de la deuxième aventure où là, ça va vraiment être plus euh, euh, plus substantiel parce qu'on va avoir les figurines qui vont apparaître sur le plateau. Euh, on va également utiliser. Mais ça veut pas dire que je vous. Tu sais que je... Bref, je savais que j'allais éventuellement vous le présenter. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter l'aventure numéro 2. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur ma première série de vidéos que j'avais fait euh, qui présente, qui fait vraiment le tour de Vindication. Mais ne vous en faites pas, je vais quand même refaire euh, le tour un petit peu du jeu. Et euh, on a c'est un épisode zéro, hein, fait qu'on va faire la mise en place. Après ça, je vais vous expliquer un petit peu comment le jeu fonctionne. Et ensuite. Probablement que je vais jouer euh, la partie en un seul épisode. Euh, dépendamment, ça se peut que je ne sois vraiment pas bon, que ce soit vraiment, vraiment rapide. En tout cas, c'est un ou deux épisodes pour euh, passer au travers d'une partie complète. Mais en tout cas, à tout le moins, vous allez pouvoir voir le jeu en action parce que la partie solo nous permet quand même de vivre une genre d'expérience du jeu Vindication, même si je dois vous avouer que je pense que la meilleure façon de jouer à Vindication, c'est à plusieurs joueurs. Mais le fait que le solo soit là, c'est intéressant. Alors sans plus tarder, allons-y avec le petit jingle du début. Puis après ça, je vous fais la mise en place et je vous présente une partie de Vindication. Vous êtes dans la zone. Jeu de société. Ce magnifique plateau hexagonal, faut-il le dire que c'est un, un beau plateau? Et que, et que dire de ces cartes qui ont une forme particulière? Hein? Hein, si je vous le mets ici, vous voyez, c'est un carré, mais non pas vraiment un carré. Et pourquoi est-ce qu'on a des petits contours comme ça Bah ben, pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas avoir euh, ces petits contours Alors je vous présente Vindication. Et euh, bon, là évidemment, si euh, en théorie, j'ai déjà fait une petite mise en place préalable. Mais euh, ce que vous regardez ici, là, euh, parce que des fois on, on le voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, on voit un petit peu la transparence euh, des différents hexagones ici puis des triangles. Mais c'est une île. Alors, je vous rappelle que Vindication, ça raconte une histoire un peu euh, spéciale. Où euh, bon, j'ai décidé de prendre ce personnage-là. Là, donc moi, euh, je suis un, un, un véritable scumbag euh, et je suis, euh, je, je, je suis rongé par euh, la culpabilité. Euh, j'ai été euh, littéralement projeté à l'extérieur du bateau. Du vaisseau, peu importe comment vous voulez l'appeler, euh, parce qu'on on me trouve vraiment un être exceptionnellement mauvais. Et, euh, et je, je, je me ramasse sur les berges de l'île. Et donc, moi, j'arrive d'ailleurs ici, j'ai décidé, lorsqu'on joue dans la partie solo, euh, je pourrais commencer n'importe où. Il n'y a aucune différence euh, par rapport à tout ça. Euh, donc, donc, ça représente une île et le but du jeu, c'est de. Euh, ben, là, vous allez voir qu'il y a aussi ce gros méchant-là qui est représenté par. Euh, par cette magnifique figurine qui est dans la boîte, je euh, je sais pas si elle est dans la boîte de base. En tout cas, qui était dans la version Kickstarter que j'avais. Ça, c'est un, ça, c'est un promo. Parce qu'on a aussi toc toc que vous voyez juste là. Vous voyez que je les ai pas peints, C'était à l'époque où je, je faisais pas de peinture de figurine, mais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de, de peinture de figurine. Euh, donc on va avoir besoin de ce, de ce méchant personnage qui a tendance à vouloir détruire l'île. Alors, le but un petit peu de, 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 du jeu solo, en plus d'être un scumbag qui va essayer de, de retrouver une certaine honneur pour, euh, pour remonter dans le, le clan social de, de cette fameuse société perdue, euh, bien il va falloir arrêter également ce, ce méchant personnage-là avec l'aide de, de notre ami Tok Tok, qui est juste ici. Et euh, on va se faire également aider par Tictic, euh, -tic, que vous voyez juste là. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi puis que vous appréciez Toc toc et Tic-Tic et le, le méchant dont son nom m'échappe, mais que je, je retrouverai éventuellement. Alors, c'est ça le but. Euh, donc, le but premier du jeu en solo, de l'aventure numéro 2, c'est euh, littéralement donc de, de détruire, de réussir à détruire euh, ce, ce méchant, euh, méchant, gros, euh, gros méchant, justement, euh, en accomplissant certaines choses. Fait que là, on va commencer par faire une mise en place euh, normale du jeu. Fait que là, vous voyez que j'ai placé les euh, différents... Euh, les différents euh, donc euh, paquets de cartes en fonction, évidemment, il y a des endroits spécifiques pour les placer parce que Vindication, c'est un jeu de gestion de ressources. Les ressources, c'est un peu spécial, c'est pas de la brique, c'est pas du blé, c'est pas du métal, c'est littéralement votre psyché qui va être représenté par ces cubes-là. Et dans le fond, les cubes vont représenter la ressource où on va la placer. Donc ici, c'est une ressource de vision. Ici, c'est une ressource de connaissance. Euh, vous avez le wisdom, donc le fait d'être sage, euh, d'avoir de l'inspiration, du courage et de la force. Et il y a aussi un, un, un magnifique euh, un magnifique élément dans ce jeu-là où on peut euh, donc euh, réunir, par exemple, la force et l'inspiration pour devenir du courage. Alors, il y a comme une, une genre de gestion de ces ressources-là qui est très importante. Pour pouvoir aller se procurer justement ces fameuses cartes-là, en plus d'avoir une panoplie de tuiles qu'on qu a ici dans ce fameux comeback ici, alors de tuiles qu'on va placer un peu partout sur, sur le plateau pour accomplir nos actions, tout en essayant de justement euh, faire en sorte que l'on euh, puisse combattre le méchant. Euh, puis, ce qui est très important lorsque vous jouez en solo, ça vous prend. En passant pour jouer en solo, ça vous prend absolument euh, l'extension qui s'appelle Leaders and Alliances. Et là, je, au moment où j'enregistre ceci, je ne sais pas si l'extension va être fournie euh, dans le dans la campagne de ce sous-financement euh, de Lucky Dog Games. Okay? J'en ai aucune idée, mais ça, ça prend absolument l'extension donc des leaders and alliances pour pouvoir donc jouer en solo et comme je vous dis il y a deux solos donc le premier solo qui s'appelle vindication et le deuxième euh, solo qui s'appelle the awakening et quand on joue en solo la première chose qu'on doit faire c'est de prendre la dernière page et d'enlever toutes les cartes de tous les paquets de cartes qui n'ont pas leur raison d'être en solo donc ça c'est très 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 important alors il faut faire ça et c'est ce que j'ai donc préalablement fait, je me suis occupé de faire ça donc on a le plateau, ensuite on, on place les, euh, les différents euh, euh, donc les, les différents paquets de cartes qu'on mélange très bien alors c'est ce que j'ai également fait euh, préalablement euh, là ensuite de ça, ben, ce qu'on a besoin euh, de faire aussi c'est euh, de, de, de bon on a, on a, on a notre fameux tu, notre, notre trace ici donc j'ai ici euh, donc un game trace justement qui venait avec le jeu et j'ai pris un personnage les personnages ont aucune habilité spéciale c'est vraiment juste pour une question euh, une question que là j'avais envie de jouer ce genre de, de voleur gnome là, là. puis euh, on le met du côté évidemment parce que éventuellement je pourrais être vindicated je pourrais devenir respectable mais là pour l'instant je ne le suis pas alors on met de ce côté-là et je prends également et ça ça vient aussi euh, uniquement avec Leaders and Alliances parce que sinon euh, c'est un petit jeton en métal qui représente euh, donc notre personnage alors moi euh, j'ai euh, décidé de prendre euh, celui-ci euh, qui, euh, qui venait donc avec le, 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 le fameux trace et là vous voyez que dans euh, leaders and alliances, on a comme donné deux, euh, deux standees. Un lorsqu'on est respectable et l'autre lorsqu'on lorsqu commence la partie. Et au début de la partie, je, je l'installe n'importe où. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis proche de moi. Ici, ça n'a aucune, euh, aucune raison d'être. OK. Ensuite de ça, bien, euh, un, un des éléments, bon, les cartes, ça, je vous l'ai dit, tout ça est bien placé. Euh, là, il faut, j'ai mon, mon plateau ici personnel. Alors, mon plateau personnel qui est là, on commence avec nos cubes. Et il euh, y a un certain nombre spécifique euh, qu'il faut mettre donc justement de, de ces fameux cubes-là. -là. J'essaie juste de retrouver pour être sûr que je ne me, me trompe pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 8 qu'on va mettre dans les potentiels. Okay? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 cubes euh, dans les potentiels. Euh, ensuite, on en met 8 dans les influences ici au centre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en met deux dans, les, dans la conviction qui est juste là. Et les trois autres, mais j'en mets un dans le knowledge, dans l'inspiration et dans la force. OK, donc c'est comme ça qu'on va, euh, qu va commencer. Et puis, je, je vous dirais que euh, pour ce qui est de la mise en place, parce qu'évidemment, il y a une mise en place euh, qui est très spécifique, là, qui va... Euh, euh, lorsqu'on joue en multijoueur, là, mais pour ce qui est de la mise en place de bon mon personnage, alors j'ai ma petite tuile ici, donc cette tuile-là qui euh, donne la vitesse de mon personnage. Alors on voit que mon personnage ici euh, a une vitesse de 2. Euh, pour commencer la partie que je vais pouvoir éventuellement améliorer en, en allant sur une des tuiles qu'on va dévoiler. Alors, euh, je peux monter à trois, puis dans mon petit plateau ici, j'en ai deux autres. Alors, ça, c'est des éléments qui peuvent effectivement beaucoup, beaucoup nous aider dans la partie. Euh, habituellement, lorsqu'on joue en multijoueur, on, on va se piger une carte qui va nous donner comme des ressources de départ, mais qui va aussi nous demander de piger un compagnon. Mais là, nous, en solo, je commence immédiatement avec Tic Tic ici de Gleaming, donc c'est mon body euh, qui va me suivre et qui va faire des actions qui sont très spécifiques euh, par rapport à la partie en solo. Dans le sac qui est ici, j'ai mis toutes les tuiles. Alors évidemment, le sac dans le jeu de base, euh, il était immensément trop petit et là, ils ont euh, au moins grossi beaucoup le, le sac. Alors j'ai assez de tuiles pour remplir l'ensemble du plateau qui est là et au début de la partie euh, que je fais ici dans du solo, je vais placer l'académie en plein centre dessus. Euh, et l'académie va euh, avoir donc le, le fameux méchant. On le place dessus dès le début de la partie. Donc il se situe à ce niveau-là. Euh, et là pour la, le côté maintenant solo de la chose, eh bien on a ici un beau petit. Euh, euh, un petit plateau qui est juste ici sur le côté. Et sur le plateau, on va mettre les, euh, des fameux... Euh, dans le fond, c'est des... Euh, comment dire, des, 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 des feux qu'il faut allumer un peu partout sur l'île. Euh, sur sur Et il va falloir en allumer un certain nombre afin de réussir à se rendre ici. Alors juste l'avant-dernier pour que je puisse faire le final banishing. Mais pour faire le final banishing, il va falloir que je sois en mesure d'aller me ramasser trois jetons. Et les jetons, ici, vous voyez qu'il y en a un sur le 30 qui est juste là. Il y en a un ici sur le 45 et il y en a un aussi sur le 60. Et si vous posez une question à savoir, ben c'est quoi exactement ça? Ben, c'est la piste de l'honneur. Donc, à force, euh, quand je vais ramasser des compagnons, des reliques ou euh, des traits ou peu importe ou des monstres que je vais combattre, je vais ramasser des honneurs. Alors, vous voyez, ça, c'est mon jeton qui commence à 20. Je vous explique pourquoi il est à 20 dans quelques instants. Et je vais avancer sur cette piste. Donc, pour finir la partie, pour pouvoir battre. Euh, le, le monstre qui est là, il faut que je sois capable de placer ces feux-là euh, sur le plateau et se rendre à l'avant-dernier pour faire le final banishing. Mais aussi, il faut que je, je sois en mesure de me rendre au moins à 60 honneurs. Vous allez voir que ce n'est pas facile et euh, même peut-être un petit peu trop difficile. En tout cas, bref. Alors, j'ai le plateau. Je mets aussi en passant en haut. Euh, ce sont des, euh, des jetons ici qu'on va bon, des, on appelle j'appellerais ça des jetons de destruction alors des jetons de destruction qu'on va placer éventuellement dans la partie du haut hein, quand il va se passer euh, ben, c'est des jetons d'annihilation, en passant, qui est écrit, qu'on va placer sous certaines conditions que je vous expliquerai dans quelques instants. Mais vous devez prendre une autre couleur. C'est sûr que dans le jeu, il demande de prendre des gris. Mais là, étant donné que c'est la couleur que j'ai pris pour ma partie, j'ai choisi euh, une autre couleur. Ici, les verts, ça va être ça, les jetons d'annihilation. Donc, on les prend tous au complet. Enfin, fait, on en prend 10. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il y a 10 carreaux. Euh, qui sont là. Puis ça aussi, c'est une condition de défaite que j'exprimais tantôt. Et on doit sortir aussi des blocs noirs. On en prend 2, 4, 6, 7, 8, 9. Alors, 9 euh, blocs euh, qu'on appelle des blocs de... Attendez que je cherche le mot. Exactement, là. Ce sont des blocs de défilement, des Defilement, defilement blocs. Euh, prenez ça comme étant des blocs d'avertissement, OK? Parce que quand le méchant va se déplacer, aussitôt qu'il s'enlève d'un lieu, on va mettre un bloc dessus. Et ces blocs de défilement-là, s'il revient dessus, c'est là qu'il va détruire, parce qu'on a aussi ces fameuses tuiles-là. Donc il va détruire les lieux. Et là, une autre condition de défaite, ici, on détruit. Euh, trop dur, on a un certain nombre de tuiles. Et euh, si aussi on doit placer un autre bloc de défilement, mais qu'il n'y en a pas assez, on va avoir également perdu la partie. Et c'est là que notre ami TicTic -tic va être utilisé justement pour bouger des blocs de défilement, des blocs d'avertissement. On, on va les appeler des blocs de défilement. C'est défilement en anglais. Donc, on a les neuf blocs des euh, défenseurs qui sont euh, juste là. Ensuite, le jeu euh, nous demande de sortir les 3D qui sont là. Donc, il y a deux dés blancs, un dé noir. Le, il y a le dé blanc de, du, de la boîte de base, et ça, c'est les deux dés qui viennent dans le, le, le livret d'instruction de euh, ben pas le livret d'instructions, dans l'extension Leaders and Alliances. Donc, on a besoin de sortir ça parce qu'on va en avoir besoin pour combattre le monstre, et on va également en avoir besoin. Euh, pour euh, le mouvement justement de notre de notre ami ici, qui est peut-être la partie qui est la plus fiddly je vous dirais, du jeu, euh, c'est la gestion de ce monstre. -là. Vous allez voir, j'ai travaillé très fort pour essayer euh, de comprendre complètement comment fonctionne justement ce, ce fameux euh, ce fameux monstre là. Puis il y a des éléments qui sont pas clairs à 100 mais ce pas grave, on va quand même avoir du fun et on va avoir du plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste à préparer pour euh, la mise en place ben, ça, On a les tuiles ici de destruction 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6 en tout. Et euh, on a aussi ces fameuses tuiles-là de. Euh, on pourrait dire. Pour, bon, C'est des, des, des tuiles de proficiency, lorsqu'on on devient très adepte d'un type de ressource qui a une vision très différente lorsque l'on. Euh, Lorsqu'on joue en multijoueur, mais ces, ces jetons-là, on, on peut se les procurer en dépensant euh, trois jetons de la bonne, euh, euh, de, donc trois cubes de ressources de, de, de la, euh, la ressource en question. On peut la ramasser et euh, en, en, dans la partie solo, on a également des cartes de Solo Adventure. Et à chaque fois qu'on va mettre donc, des fameux feux euh, sur l'île, on va débloquer ces cartes-là. Qui vont nous donner des habiletés spéciales. Et dans ces habiletés spéciales-là, vous voyez que on peut dépenser des jetons d'honneur et aussi une tuile, euh, une tuile, donc une tuile comme une tuile d'inspiration ici, euh, pour faire l'habilité qui est à côté. Et ce qui est inscrit dans les règles, c'est qu'on doit euh, donc absolument euh, se euh, en placer deux. Donc, c'est deux. Euh, que l'on place un peu partout ici autour du plateau et qu'on va pouvoir aller se procurer si on a le temps d'aller euh, se les procurer. Alors, je vous dirais que la mise en place est pas mal faite. J'ai rien d'autre à vous expliquer euh, à part qu'on a un niveau de difficulté à choisir lorsqu'on joue euh, en solo. Alors, le niveau de difficulté, euh, il y en a plusieurs types. Attendez que je le trouve. Euh, le niveau de difficulté, on a easy. Standard est difficile, on va jouer à Standard et c'est écrit dessus que lorsqu'on joue à Standard, on met le jeton de pointage à 20 parce qu'une partie en multijoueur, on va commencer à 15. Mais là, nous, parce qu'on a décidé de jouer à normal, on va le mettre à 20. On va, on va mettre justement, donc ça fait partie, euh, donc de mettre ces deux tuiles de, euh, de proficiency. C'est vraiment des tuiles de proficiency, c'est de. de, de, de ah, je cherche le mot en français, là, puis le mot m'échappe, là d'être de, de, en mesure d'être. Euh, en tout cas, proficiency, on va regarder ça de même. Et euh, euh, Ronax, il, il s'appelle Ronax, va commencer avec. Un cube d'annihilation. Alors voilà. Comment on gagne une partie? Ben, il faut détruire Ronak. Et pour détruire Ronak, il faut faire le Final Banishing. Et le Final Banishing, on l'a ici sur, euh, sur la carte. Alors, Final Banishing, ça me coûte 3 euh, jetons. Alors, Drive Ronak from the realm. You may initiate the game ending move si. On a au moins 6 spirit fire on the map si au moins les trois jetons d'honneur sont disponibles, et si Tuk Tuk est adjacent à Ronax sur la, sur la map, alors you win. Alors, c'est la façon euh, que j'ai de gagner la partie. Et comment on fait pour perdre? Bien, on, on, dans les façons que je vous ai expliquées tantôt. Donc, euh, on va perdre si, euh, euh, par exemple, bon, le, le, les jetons d'annulation ici, si le jeton rejoint, et là je vous dis bien, si le jeton rejoint un feu, sur la, sur la piste qui est ici, est la, on arrive donc à une défaite. Euh, si on met tous les tuiles de destruction, ça mène à une défaite automatique. Si euh, on doit placer un autre cube euh, d'avertissement, euh, puis qu'il n'y en a plus, bon, on va avoir une défaite. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons euh, de perdre la partie, mais ça n'arrivera pas. Alors là, tout ce qui me reste à vous expliquer maintenant, c'est de vous, justement, dire, de, de donner quelques explications rapides sur le fonctionnement du jeu. Vous allez voir, c'est quand même un jeu qui est excessivement simple. Alors, on y va. Maintenant. Donc, le jeu est quand même très simple. Okay? C'est qu'à notre tour, regardez, à notre tour, c'est ça qu'on va faire. Okay? On a trois actions qu'on peut faire dans n'importe quel ordre. On peut activer soit un, un compagnon qu'on a sur euh, notre plateau personnel s'activer nous-mêmes alors lorsqu'on s'active tout ce qu'on fait c'est que j'active oui, je vais activer ici donc mon personnage et quand je l'active voyez que je peux prendre ici les, les ressources euh, qui sont dans mon influence donc qui est dans ma partie du centre euh, afin que je puisse aller les placer sur le plateau et à chaque fois que j'active mon propre personnage ben, c'est à ce moment-là si aussi wah your character is active alors je peux choisir une des deux actions de mon body ici de mon euh, de mon fameux tic tic euh, je peux également bouger alors je vais bouger en fonction de la vitesse de mon personnage et lorsque mon mouvement est terminé c'est là que je vais dévoiler euh, des euh, je vais dévoiler donc des tuiles qui sont à l'intérieur de ce sac là euh, et la troisième chose c'est de visiter donc un lieu qui est adjacent ou de faire un, un repos et pendant que je fais mon repos ben je, je peux augmenter un power c'est quoi exactement augmenter euh, bien, augmenter c'est le concept que vous voyez ici sur le plateau alors sur le plateau on a, euh, trois, on a trois sections on a le potentiel l'influence et la conviction le potentiel ça sert absolument euh, à rien okay? donc toutes les les, euh, les ressources qui sont ici ce sont des justement ça le dit dans le mot c'est c'est du potentiel que, qui est encore à l'intérieur de vous. Et il y a certains éléments, certaines actions, certains lieux qui vont nous permettre, dont l'action, le, le, de se reposer, de pouvoir transférer une, une, une ressource, donc, du potentiel vers l'influence ou de l'influence vers la conviction. OK, alors, ça, c'est euh, je vous dirais que c'est la la, 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 les actions de base qu'on qu va avoir à faire dans la partie c'est d'essayer de justement enlever le plus possible de ces cubes là qui sont dans le potentiel parce que potentiel ça sert à rien l'influence c'est ça qu'on va utiliser pour euh, placer les jetons sur le plateau qu'on va utiliser les jetons pour activer nos personnages pour activer nos reliques donc on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de ressources dans les dans les influences et la conviction c'est quand même important parce que la conviction va nous servir à quelques éléments qui sont très importants dans le jeu euh, dont euh, une, une action qui euh, nous permet de justement placer les fameux feux ici qui sont sur notre plateau alors que la, la, la conviction on peut, on peut contrôler une tuile sur la sur la carte parce que lorsqu'on joue en multijoueur, le fait de contrôler des tuiles, ça nous donne des points. Euh, mais on ne peut pas contrôler des tuiles lorsqu'on joue en solo. Donc, on oublie ça. Euh, on, peut, euh, si on peut faire ce qu'on appelle un Empower Draw. Vous allez voir que lorsqu'on on prend une carte ici... Donc, on peut prendre toujours la carte qui est face ça D'ailleurs, dans la mise en place, j'ai oublié de vous dire qu'on doit placer euh, des cartes ici qui vont être face visible. Parce qu'à chaque fois qu'on va gagner donc, une carte, on va toujours avoir le choix de prendre soit la carte qui est visible ou de prendre la carte du dessus qui est cachée. Mais on peut dépenser également une conviction pour piger les trois cartes du dessus du paquet, en choisir une et ensuite remélanger tout le paquet ensemble, incluant la, la, la carte visible pour la replacer euh, par la suite. Alors, ça, ça, ça peut être intéressant. Et aussi, on peut utiliser une conviction pour empêcher un de nos compagnons de mourir. Parce que les compagnons, vous allez voir, ils sont quand même assez puissants euh, dans ce jeu-là. Euh, donc, c'est très important d'avoir de la conviction parce qu'une autre des actions qu'on a, c'est de pouvoir placer un feu. Et pour placer un feu, c'est très important. Il va, falloir il, il va falloir que notre personnage soit, notre personnage soit adjacent à trois lieux qui sont libres. Alors libre, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu, qu'il n'y a pas de jetons d'avertissement, euh, ces jetons noirs-là, euh, qu'il n'y qui, qui a rien dessus. Et là, c'est là le côté que lui va se promener, puis qu'il va falloir quand même se dépêcher. C'est un beau puzzle. Okay? Je vous dirais que si vous aimez les jeux solo puzzle, c'est euh, quand même un beau puzzle que euh, vous allez avoir à faire. Donc ça, c'est visite ou Rest », comme je vous ai dit. Donc, on fait les trois et on les fait dans l'ordre que l'on veut, mais on doit les faire et on doit, on doit absolument bouger au moins d'un espace. Et c'est pour ça que moi, quand je joue en solo, ça m'arrive souvent d'oublier lesquels que j'ai fait. Alors, c'est pour ça que je me suis pris trois petits jetons qui traînaient dans mes choses pour pouvoir les placer. Euh, je vous le recommande, parce que des fois, moi, quand je joue en solo, je, je réfléchis tellement, puis là, je me dis, « Ah, c'est quoi, donc, les, les actions que j'ai faites? » Fait qu'au moins, ça, ça me permet de faire ça. Il y a aussi des actions bonus qu'on peut faire à peu près à n'importe quel moment. Bon, « Control the region », on oublie ça. Euh, « Gagner une proficiency », c'est ça ici, c'est ces fameuses tuiles-là. Euh, donc, « Use three attributes of any type » pour gagner. Euh, donc, une de ces tuiles-là qui peut être très importante. On peut faire le « Vindicate yourself ». Donc, c'est de, de justement... Euh, donc se, se transformer parce que vous voyez que de l'autre côté ça nous donne euh, ça nous donne quand même une action un peu plus forte donc ça peut être intéressant et on peut retrouver de l'influence parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on utilise nos compagnons on laisse de l'influence dessus et à n'importe quel moment on peut décider d'enlever toutes les influences qui sont sur notre compagnon mais notre compagnon doit partir et le côté négatif de ça parce que là, vous allez peut-être vous dire ben c'est pas si grave mais le côté négatif de ça c'est que ben écoutez le compagnon quand il part il t'enlève de l'honneur parce que chacun des personnages, chacun des compagnons, comme par exemple ici on a euh, The False Tongue, qui n'est pas, pas un très, très bon euh, personnage, parce qu'il vous en enlève deux ici. Euh, mais euh, lui, ce qui est écrit, c'est que vous voyez, bon, lui, c'est pas bon, parce que lui, il enlève, il enlève des. Euh, il en enlève. Fait on ne voudra peut-être pas les chercher. Mais mettons, Johan the Tinkerer. Euh, lui, il donne deux. Euh, donc, quand je, je le prends de mon côté, il va me donner euh, deux honneurs. Alors, les honneurs, je vais les, je vais les mettre sur mon plateau, mais s'il part, ben, malheureusement, euh, il, va, il va perdre des honneurs. Donc, euh, euh, puis le chiffre que vous voyez qui est là, c'est euh, Si ma mémoire est bonne, je, je, je vais juste m'en assurer, mais c'est dans votre gang, c'est celui qui a le plus haut chiffre, qui est comme le chef de votre... De votre groupe de compagnons, et c'est lui qui va souvent se battre contre les monstres. Et en plus, quand on active notre compagnon, en plus de mettre un cube dessus pour dire qu'on l'active, euh, ben, on ramasse ça ici. Donc, ça, ça veut dire que je prendrais deux cubes de mon influence et je pourrais les mettre dans euh, justement l'inspiration. Et en plus, je peux faire ce qui est inscrit en bas. Donc, add one extra influence to Johan, roll the white attribute die. Donc, là, je pourrais lancer en plus ce dé-là. Et dépendamment sur quoi je tombe, ben euh, je pourrais en plus racheter. Donc, il est très intéressant, Johan, de Tinkerer. Je pense que je vais essayer de m'arranger pour peut-être aller le chercher. Euh, ça coûte deux influences, mais il faut que j'aie à l'endroit pour aller, euh, justement, le chercher. Fait qu'une fois qu'on a fini nos tours, là, ça va être ensuite au tour de lui euh, de jouer. Puis, quand il va jouer, ben on va lancer ces deux dés-là. Alors, le dé blanc de la, la boîte de base avec le dé noir, je vous expliquerai en temps et lieu, mais c'est ça qui va délimiter le mouvement. Donc, le, le méchant va toujours bouger en premier, faire son action en deuxième. Et le deuxième dé ici, c'est pour euh, nous aider dans les choix de, dans, dans quel endroit qu il va se déplacer. Euh, fait que je vous dirais que c'est pas mal ça. Je, je vous ai pas mal donné, je pense, le gros des, des règles. C'est un jeu qui est très simple. Ce qui est difficile, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Et vous allez voir que le temps, il est quand même assez compté. Il y a... Ça, ça, ça peut se passer quand même assez rapidement. Fait que. Est-ce que vous êtes avec moi? En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de de sauter dans l'aventure et de voir comment ça va aller. Ma, ma première partie que j'ai faite, euh, ben en fait, de, depuis que j'ai recommencé à jouer à Vindication, ça s'était pas bien soldé. Je vous dirais qu'à un moment donné, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que je me rendais compte que c'était impossible que je puisse aller mettre de nouveaux feux. En tout cas, je vous expliquerai un petit peu le concept derrière toutes les. Euh, les stratégies qu'il peut avoir en lien avec justement ce jeu là. Alors je vous remercie beaucoup. Euh, je vous invite à venir me rejoindre pour euh, cette première partie très très bientôt. Euh, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben sachez que euh, la campagne de socio financement sur Game On Tabletop euh, de la compagnie Lucky Dog Games existe au moment, en tout cas, où vous regardez ceci, ça se peut qu'elle soit terminée, mais peut-être que, peut-être que vous regardez ceci. Le jeu est en français présentement, alors c'est grâce à Lucky Dog Games. Alors je vous invite à aller faire un tour sur Game on Tabletop pour euh, participer à la campagne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bref, je vous laisse là-dessus. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le valet de cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne. Patreon, et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société, et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, hey, moi j'ai hâte de jouer, on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde.